遊びの道に魂込めた一人の男が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。セガタサンシロ、セガタサンシロ、セガサタンシロ。Bienvenue sur cette nouvelle... Bienvenue sur Games2A TV, donc Gordon 2A pour vous servir. Donc pour aujourd'hui vous parler de la Sega Saturn, mais pas la Sega Saturn en elle-même. Je ne sais pas si vous connaissez cette pub Segata-san Shiro, donc un personnage créé donc par Sega pour une série de spots de pub qui présentait la Saturn blanche, en fait la Sega Saturn Shiro. Donc ils ont appelé ce personnage Segata-san Shiro, qui était interprété par Hiroshi Fujioka, qui était, petite minute culturelle, qui était donc l'acteur principal de la série Kamen Rider. Alors je sais pas si vous connaissez les Kamen Rider, donc la première série, voilà, c'est ce personnage là, la première série date du début des années 70, de 71 pour être exact. Et donc Hiroshi Fujioka interprétait le premier Kamen Rider de l'histoire. Donc ce sont des héros transformables. Bon, Xor est le plus connu pour les Français, mais Kamen Rider, qui n'a jamais connu d'importation en France, était quand même un héros et est toujours un héros hyper connu au Japon, hein. C'est une série live, hein, donc comme Xor, comme Bioman, c'est du tokusatsu. Et donc ce personnage avait été créé pour relancer un petit peu la Saturne qui commençait à battre de l'aile. Elle qui était sortie en 1994, mais dont les ventes ne décollaient pas, hein, face à la concurrence de l'autre 32 bits de Sony qui était la PlayStation. Donc la sortie de la Nintendo 64 qui leur a fait mal, hein, mais voilà, la Saturn n'a pas connu le succès qu'elle aurait peut-être dû connaître, parce que c'est une petite console qui renferme quand même quelques jeux assez intéressants, et surtout les jeux en 2D, hein, elle n'était pas vraiment était pas spécialement doué pour la 3D, mais pour la 2D il y avait quand même des jeux assez sympas. Alors voilà, ça c'était pour la petite parenthèse Sega Saturn. Alors on ne parle pas de la console en elle-même aujourd'hui, puisqu'on va parler de la manette éditée par Retrobit. Alors hop là, vous voyez ici même le packaging que je n'ai pas encore ouvert, hein. On va faire l'unboxing ensemble et comparer avec la manette originale, hein, que voici. Donc ça c'est la manette d'époque, et là dedans nous avons la manette sortie donc ce mois d'avril 2019, et donc une réédition à l'identique, enfin selon la photo en tout cas, à l'identique de la manette Saturn d'époque. Elle a l'air en tout cas très ressemblante. Le packaging est très ressemblant également. Et donc on va la tester pour vous, pour voir si elles sont vraiment similaires. Générique. Donc commençons par déballer, hein, cette manette, enfin, cette boîte. Donc la manette officielle est bien précisée, licenciée Sega, une qualité originale supérieure compatible avec les consoles Sega Saturn originales, une longueur de câble de 3 mètres. Donc voyons ça, on va commencer par défaire les petits scotchs sur le côté. Ce sont des petites pastilles en scotch. Alors, qu'avons-nous dedans? Un plastique noir.
Alors je sais pas du tout comment la manette était présentée à l'époque. Je sais pas si c'était le même packaging. Il me semble que la boîte ressemblait, mais à l'intérieur je sais pas du tout si c'était similaire. Donc il n'y a pas spécialement de notice. Hop. On arrive directement sur la manette. Oh, qui m'a l'air tout à fait identique. Alors il y a eu déjà des reproductions de manettes Saturn, mais identiques comme celle-ci, je ne crois pas, où il y a exactement la même inscription et où il n'y a pas la marque. Ils auraient très bien pu mettre Retrobit, mais ils ont préféré laisser l'apparence originale. Alors, premier coup d'œil, les deux manettes sont quasi identiques. Au premier coup d'œil, quasi identique, et ça va se passer, je pense, sur certains détails. Alors, au niveau de la croix, au niveau du toucher, la croix, c'est la même. Oui, ça a bien l'air d'être la même. Au niveau des boutons, donc là vous avez un bouton en caoutchouc et là en plastique dur. C'est pareil sur celle d'époque. Donc ici vous voyez un plastique plutôt lisse et brillant sur la nouvelle comme sur l'ancienne. Mon ancienne est peut-être moins brillante parce qu'elle a quand même pas mal vécu. Alors c'est au niveau de l'inscription Saturn. Je sais pas si ça se voit vraiment, mais en fait c'est un peu plus blanc sur l'ancienne, et là c'est plutôt gris, on va dire. Sur la nouvelle c'est plutôt gris, mais sinon c'est la même taille, c'est exactement le même logo, ce sont exactement les mêmes inscriptions. Alors derrière, voyons voir derrière. Ah oui, bon, la différence, ça va se faire derrière en fait. Alors sur la nouvelle, là ici nous avons écrit Retrobit et Sega en dessous, alors que sur l'original, évidemment, il n'y a pas écrit Retrobit, mais uniquement, alors je sais pas si on voit, uniquement voilà, Sega, uniquement Sega avec le vrai logo de Sega, Made in Malaysia, alors qu'ici on est sur du Made in China. Au niveau du poids, j'ai envie de dire c'est similaire. Après, au niveau du toucher plastique, c'est celui qui est tout autour, c'est également similaire. C'est impressionnant, on a l'impression que ça a été les mêmes moules qui ont été utilisés, peut-être possible, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a une meilleure sensation sur les boutons de la nouvelle. Alors c'est peut-être que l'ancienne est encrassée. On n'a pas l'impression que ça s'enfonce beaucoup. Tandis que là, on sent bien le petit cliquetis. On n'entend pas, mais on le sent au doigt. On sent que ça appuie. Là, on sent juste que ça pousse, que ça s'enfonce. Voilà. Sinon... Alors, aussi la broche. On va regarder la broche. Alors, sur l'ancienne broche... donc en dessous il n'y a rien d'inscrit, au dessus nous avons inscrit Sega, ça c'est sur l'ancienne broche. Et sur la nouvelle, pareil, même chose, sur la nouvelle inscrit Sega au dessus, rien en dessous. Donc à comparer comme ça avec Kif Kif Bourrico, Kif Kif, c'est vraiment similaire, quoi. Longueur de câble, alors ils annoncent 3 mètres de longueur de câble. On va vérifier ça. Déjà, ils ont l'air aussi épais l'un que l'autre. On va vérifier si on a la même longueur. Allez, j'ai déjà fait un nœud. C'est ça, on est à 3 mètres. Ah là là là. Donc l'ancienne est plus courte et la nouvelle est plus longue de 50 cm environ. La nouvelle manette a un câble plus long. Je
ce qui peut être pratique, hein, vu que maintenant les écrans sont très très grands, hein. Bon, ça existait, hein, des grands écrans à l'époque de la Saturn, mais bon, ça s'est vraiment démocratisé maintenant, les écrans de plus d'un mètre, c'est devenu monnaie courante. Donc voilà sur les similitudes et les rares, les petites différences entre ces deux manettes. Je pense que maintenant nous allons pouvoir procéder à une partie, hein, pour voir sur au niveau de la console si les deux manettes se comportent de la même façon. Et il n'y a pas de raison, franchement. Test. Here we go. Donc là je vais brancher chaque manette l'une après l'autre. Bon, on passe l'intro. Yes. Alors NBA Jam, pourquoi? Parce que bon, c'est un de mes jeux cultes, peut-être un de mes jeux préférés même, je dirais. Voilà, faut même mettre octobre 25, voilà, comme ça vous savez quand est mon anniversaire si vous voulez m'offrir des cadeaux. Allez, on enchaîne. Alors Seattle, il y a un beau petit duo, Kemp Payton. Oh, là aussi Dennis Rodman et David Robinson, ça c'est pas mal, beau petit duo. Oh là, Joan Drexler, intéressant, hein. Alors qu'à Chicago, on a Pippen et Ron Harper, donc il n'y avait pas Jordan. Jordan n'était toujours pas autorisé à l'époque dans les jeux vidéo, ou dans de très rares. Dominique Wilkins et Dee Brown. Glenn Rice et Alron Miner. Stockton et Karl Malone. Très gros duo. Allez, on va prendre la Juwan. Quoi qu'il est mauvais à 3 points. Allez, on s'en fout. La Juwan Drexler. Allez, go. Bon, la manette est d'époque, hein, donc elle est un petit peu encrassée. Il faudra que je lui fasse un petit décrassage. Parce que c'est vrai que je peine ne serait-ce qu'à appuyer sur le bouton start. Il faut appuyer quand même assez fort. Donc voilà, c'est quand même une des versions les plus abouties, hein, de NBA Jam sur console. Hop. Là vous voyez les personnages zoom quand on s'approche de l'écran, on va dire, quand ils s'approchent de l'écran. C'est à peu près la même version sur PlayStation 1. Mais les proportions en fait des joueurs étaient moins fidèles. Là, elles sont, on va dire, assez fidèles. Alors que sur PlayStation 1, les têtes des joueurs étaient un petit peu disproportionnées, hein, plus grosses. Ça, c'est bon, ça. Il court assez vite sur la Juwan, hein. Et celui derrière, voilà, goaltending, et eh oui, balle en phase descendante, panier accordé. Allez, on joue un petit peu en passe, allez Drexler, ah. Ah, c'est moi qui l'avais. Ah, ils reviennent dans le match, ils reviennent dans le match. Alors, petite pause, on va changer de manette. Ouais, alors j'enlève l'ancienne et là je vous mets la nouvelle manette. Donc la Retrobit. Ça fait quand même 20 ans, combien ça fait? Ça fait 25 ans.
Ça fait quand même 25 ans. 25 ans plus tard qu'ils ressortent une manette. C'est énorme, 25 ans. Ah, le bouton start marche très bien. Turbo, turbo dunk. Oh, et, écoutez, les sensations sont vraiment meilleures. Hein. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et je me sens du coup meilleur hein, dans le jeu. Ah ouais, ça répond mieux. Bah, c'est peut-être l'avantage d'une manette neuve sur une manette usée, on va dire. Hein. Ancienne. Oh là là. Bon, c'est sûr que si je la décrasse, l'ancienne marchera mieux. Mais là, c'est franchement... Les sensations sont intéressantes. Ah! Tiens, dégage. Pousse, 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 pousse. Bon, la Joanne était mauvais à 3 points, mais ça pouvait rentrer de temps en temps. Tiens, dégage. Et oh, oh, je vais pas perdre, j'ai pas le droit de perdre. Pas NBA Jam quand même. Tiens, sur ta gueule. Donc voilà, bon, je vais finir mon petit carton, mais je vais pas aller plus loin. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura aidé dans votre choix hein, d'acheter ou pas cette manette. Si vous avez une Saturn, c'est franchement idéal. Hein, ou si vous avez une Saturn dont les manettes marchent mal, ou si vous n'avez pas de manette, si vous la trouvez en loose, c'est franchement idéal quoi. Ça fait vraiment c'est de l'officiel hein. J'allais dire ça fait officiel, non c'est une officielle Sega hein, le design est respecté à 99% et non c'est génial, les sensations sont super bonnes quoi. Et voilà, donc je ferai peut-être une prochaine vidéo également pour présenter une autre manette que je vous montre ici même. Donc une manette Mega Drive. Celle-ci est USB. Alors faut savoir que même la manette Saturn, ils l'ont sorti en modèle USB également pour jouer par exemple sur émulateur, sur PC, sur Raspberry. Et celle-là, je vais l'utiliser sur ma... petite Genesis miniature. Alors ça en fait c'est un hub USB que Marco m'a modifié avec plein de jeux Sega à l'intérieur et mais je n'avais pas de manette sérigraphiée Sega et là donc du coup grâce à Retrobit voilà je pourrais avoir une manette Sega. Hein, et non pas Mega Drive, il y aura juste marqué Sega et donc qui complétera ma petite Genesis. Voilà. C'était un hub chinois, hein, je sais pas si vous avez connu ces hubs. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a marqué Sega Master System ici, alors que bon, on voit bien que c'est une Mega Drive. Hein, voilà, merci messieurs les Chinois. Donc je vous présenterai peut-être ça dans une future vidéo. En attendant, je finis ma petite partie de NBA Jam. Et je vous dis au revoir et à bientôt peut-être aussi sur une prochaine vidéo que je tournerai à Paris. Parce que je suis à Paris ce week-end. À très bientôt les amis, bye bye.